Bonjour, je vais vous présenter un petit tuto pour réparer votre clé. Enfin, réparer, c'est vraiment du partiel. Si jamais vous ouvrez votre clé puis que vous avez tout qui est comme ça, hein, tout s'est enlevé, le circuit, etc. Et puis si vous remettez dedans, donc cette partie-là qui va se casser, du coup, ben, quand vous tournez dans le Neiman, il y a tout qui s'enlève. Donc en attendant de la faire réparer, de me l'envoyer par exemple, ce que vous pouvez faire, donc vous prenez cette partie-là, la coque inférieure, vous enlevez le circuit, voilà, vous êtes comme ça. Et là, avec une perceuse, vous allez percer un trou ici. Vous traversez tout, voilà, vous traversez tout, et vous allez obtenir ça. Voilà, vous allez obtenir ça. Ok, et une fois que vous êtes comme ça, vous récupérez cette partie-là et vous la remettez dedans, hein, comme ça. Ensuite, vous chopez un écrou avec un boulon, un écrou et des rondelles. Et vous allez mettre tout ça en place. Donc, vous mettez le circuit. Donc, le circuit est là. Vous remettez tout en place comme ceci. Voilà. Comme ceci. Alors c'est vraiment de la bidouille, hein. C'est pour pouvoir démarrer parce que quand vous avez juste le morceau de clé dans la main, c'est pas évident. Voilà. Voilà. Donc là, on le fait rentrer. Je vais pas montrer. Voilà. Donc on fait tout rentrer dedans. On est comme ça. C'est dégueulasse, mais au moins ça fait le job après. Donc là, hop, vous serrez. Donc là, faudra percer. Donc ici, vous allez avoir. Enlever la partie métallique, je vais me la prendre dans la gueule. Donc ça fait ça, hein. Faites un trou. Voilà. Le tuto pourri, voilà. Bon, c'est vraiment pour vous dépanner. Provisoirement, le temps d'envoyer votre clé en réparer chez A de Clé Clip 2000, 57 rue Bel Air, 70 400 Héricourt. Sinon, vous allez sur le site www.adecleclip2000 et puis là, ben là, vous pouvez utiliser votre clé en attendant. Je sais, hein, c'est vraiment dégueulasse, c'est pas beau, mais au moins, voilà, comme je dis, ça fait le job. Voilà, vous resserrez bien et au moins ça reste maintenu. Voilà. J'ai vu ça, des clients qui m'envoient des coques à réparer. J'ai déjà vu ça. Voilà, il y en a qu'on. Voilà, pourquoi pas d'y aller, pourquoi pas, ça peut dépanner quelqu'un. Juste à faire ça. Voilà, un trou derrière, récupérer un écrou, boulon, rondelle. Voilà, mettez ça et puis voilà. Hein. Et puis après, ben voilà, changez la coque ou vous l'envoyez. S'il y a une réparation, vous pouvez l'envoyer également. Voilà, merci, au revoir.